Rhymes gone, two damn phones. Babylon can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to drugs. Eh bien, salut tout le monde, c'est Minos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de la série Objectif Coliseum. Donc, je viens de créer ma Sadida, là, tout de suite, à l'instant. Elle est encore niveau 1, donc une petite Sadida. Donc, Sadida, j'ai jamais vraiment joué cette classe-là, peut-être un petit peu avant. J'avais eu l'occasion de jouer sur un compte, le compte d'un pote, quoi. Mais j'ai pas trop kiffé, donc j'ai vu qu'il y avait eu des modifications, des nouveaux sorts, des changements, etc. Alors, je me dis, pourquoi pas commencer à prendre... apprendre et comprendre un peu cette classe-là. Donc j'aimerais avoir quelques renseignements en commentaire, s'il y a des gens qui peuvent me dire déjà quelle classe jouer et quel level monter à peu près le Sadida. Donc à partir de quel level c'est un peu viable pour le PVP en Coliseum. Donc si c'est level 60 c'est bon, si c'est level 120 c'est bon, même si c'est level 150 c'est bon aussi. Après à très haut level, il faudrait que je monte le perso en vrai. Et faudrait que je raboue un peu la team pour pouvoir le monter. Mais sinon en solo je peux le monter très facilement level 120, 130. À l'aide de 2-3 captures par-ci par-là. Donc voilà, il y a plein de nouveautés. Je sais pas vraiment comment jouer le perso. Donc déjà je vais le faire monter au moins level 40-50 ce soir en vite fait. Ce soir en quelques minutes quoi. Avec l'XP fois. Donc j'ai beaucoup d'XP fois et pas mal de stuff prêt pour un perso, ça. Donc il y a aussi beaucoup de parchemins d'ivoire, des parchemins dorés, etc. que j'ai mis de côté, qui vont permettre de monter le perso assez rapidement, surtout pour les premiers levels qui sont, ma foi, pas très intéressants à monter. Quoique, je vais peut-être tout monter pour vraiment comprendre un peu le fonctionnement du Sadida, parce que c'est une classe, comme je l'ai dit, que je ne joue pas vraiment. Donc, comme je vous l'ai dit en commentaire, n'hésitez pas à me dire à quel level monter, quel élément monter, s'il faut jouer puissance, multi, invoque, n'hésitez pas à me le dire, et surtout le level qu'il faut que je monte, ce perso là dont je vais le monter au moins level 60, comme ça bah, je serai prêt. Si on me dit que level 60 c'est bon, avec une petite panneau blob quoi, je peux déjà commencer à PVP. Et puis voilà, donc par la suite ce personnage là sera pas supprimé ou oublié. Je ferai de temps en temps du PVP avec sur la bêta. Et le prochain perso que je compte monter, ça sera un Xelor. Donc je pense un Xelor, j'en reparlerai bien sûr. Donc là le premier épisode je suis un peu excité et tout, mais bon, voilà. Donc si le concept vous a plu, vous plaît en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter, à partager. Vous verrez très bientôt le premier épisode, il faut que je prépare un petit stuff. Mais ça sera en fonction des commentaires. D'ailleurs, si vous avez des stuffs de près, n'hésitez pas à me mettre des Dofusbook en lien dans les commentaires. J'irai jeter un coup d'œil. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine.